Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo, franchement, que je trouve vraiment très sympa, très intéressante, puisque le week-end dernier avait lieu l'Iris Game à Chartres, un tournoi PES 2019 regroupant les 15 meilleurs joueurs français, avec même deux étrangers, un Suisse et un Espagnol, Mestre, un des meilleurs Espagnols, hein, donc un des vraiment top mondial, un tournoi avec un niveau incroyable, franchement. La preuve, Christopher, qualifié au championnat du monde, qui a fini deuxième des championnats d'Europe de la PES League, entre guillemets, n'est même pas sorti des poules pour vous dire le niveau incroyable qu'il y avait. Et donc, j'ai réalisé une petite interview d'Ousma Kabil, le joueur pro de l'AS Monaco, juste après qu'il ait battu Mestre en quart de finale. Il est mené à chaque fois, il arrive à revenir. Et vous allez voir que il va nous expliquer un petit peu son fonctionnement. On le connaît, Ousma Kabil. Alors, si vous le connaissez pas, je vous explique un petit peu. Ousma Kabil, il est connu sur le circuit pour râler un petit peu tout le temps. C'est-à-dire qu'il prend un but, il va râler, il va rager. Il marque un but, il fait pareil. Il va rager, il va râler. Et vous allez voir, il va nous expliquer pourquoi il fait ça. Et bien sûr, j'ai été obligé de revenir avec lui, qu'il nous explique sa célébration lors de la demi-finale gagnée de la PES League. Rappelez-vous, les images ont tourné partout. D'ailleurs, je vous les ai remis, les images. Vous les verrez si vous ne les avez pas vues. Où là, il secoue carrément un caméraman. Sa célébration, elle est incroyable. Et c'est pareil, certains n'avaient pas compris pourquoi une telle célébration. Voilà. Bah, vous allez voir qu'il l'explique très bien. Et franchement, c'est super intéressant, les amis. Allez, pour Ousma Kabil, envoyez tout votre kiff là dans les commentaires. Explosez-moi la barre des likes, les amis. Et c'est parti pour l'interview. Bon, on le sait qu'avec toi, même à 2-0, c'est jamais fini. Il te connaît aussi, il le savait. Ouais, il le savait. Après, c'est vraiment un bon joueur. Hein. Faut... Bah, les matchs, c'est vraiment un match de haut niveau. J'ai limite un match de Coupe du Monde là. C'est vraiment un joueur. En plus, il s'est déplacé. Ça veut dire ça rajoute en lui un peu plus de motivation. Ouais, tu vois, moi. Je veux pas dire que j'ai moins de motivation que lui, mais il n'y a pas la même motivation. T'es qualifié en championnat du monde il y a quoi, il y a une semaine. En plus, voilà, c'est ça, la semaine dernière. T'as dû avoir la pression qui est redescendue d'un coup. Psychiquement, j'ai pas encore. Ça peut être marrant, tu vois, mais j'ai pas encore repris en fait psychologiquement. Ouais, t'es toujours dans ton rêve, bah, en fait, un peu dans ton. T'as du mal à te remettre dedans. Est-ce que c'est un gros match? Est-ce que c'est pas un gros match? Bon, on l'a vu, d'ailleurs, tu le dis, mais tes débuts de match là, à chaque fois, les deux, tu prends des buts très rapidement. On dirait que t'es pas dedans. Mmh. Tu subis une grosse pression de Mestre et derrière, après, par contre, quand tu te remets dedans, on a l'impression des trucs qui t'énervent, on te connaît, on voit que tu rages un peu et on a l'impression que ça te remet dedans. Ouais, toujours. T'as besoin, toi. J'ai besoin d'être comme ça, tu vois, de parler, de... Pas forcément pour déconcentrer l'adversaire, mais c'est juste... T'énerver voilà, toi-même. Quand je suis dedans, j'ai besoin de m'énerver, de rigoler, des fois de devenir fou. Voilà, on va pas dire que c'est un jeu de fou, mais c'est un jeu de fou, on a besoin d'être fou en compétition. Ouais, mais quand on te regarde, c'est ça qu'on adore. Ouais, mais c'est ça, mais je sais. Après, je sais que les gens, ils aiment bien ça, ils m'ont vu en... À Porto, ils aiment ça. Maintenant, j'aimerais moi aussi. Parce que, en fait, même à la maison, quand il n'y a personne, je suis comme ça, tu vois. Ouais, quand il y a un match à intensité, je suis obligé d'être comme ça. Parce que c'est pas un rôle, t'as besoin de ça pour faire ta. D'ailleurs, on voit Lumestré, lui, il est plutôt dans sa bulle avec son casque. Ouais, c'est chacun son. Chacun son truc. Après, il a fait moins de compétitions dans sa carrière offline. C'est-à-dire, ces joueurs-là sont généralement dans leur bulle. Moi, je peux pas être dans ma bulle. Moi, il faut que je sois dans l'atmosphère en général. Et... Même quand je pleurnis, je me plains, il faut qu'il y ait quelqu'un, je lui montre, regarde le jeu et tout ça. Voilà, pour moi c'est vivant, PES, ça doit être vivant. Bien sûr. Et c'est comme ça. Après, voilà, je respecte aussi les joueurs qui jouent comme ça. Hein. C'est pas. Non, bah, comme tu dis, chacun a son. Bruce Granek, tu vois, c'est un mec qui était dans sa bulle, il parlait pas, mais voilà, c'est le plus grand champion des jeux vidéo, tu vois. Attends, t'as une carte à jouer cette année pour. J'espère. On va pas en parler trop, on va pas en parler, mais. Oh non, je suis. Double champion, tu peux être. Triple champion, ce serait incroyable. Sans me porter la poisse, bon, mais je vais me porter la poisse quand même. Mais j'ai jamais perdu une PES League, tu vois, internationale, genre l'acte européenne ou mondiale. J'ai toujours gagné, tu vois. D'ailleurs, il est ton adversaire de la finale, était dans le chat. Bah, contre qui t'as joué en finale à Porto. Ah. Et c'était un peu ta. On peut en parler un petit peu, c'était un peu ta bête noire parce que tu l'avais jamais battu. En fait, la plupart des tournois que j'ai joué, bah, en fait, il venait comme Mestre, il venait en déplacement en France. Donc ça rajoutait de la motivation pour lui. En plus à cette époque-là j'étais aussi sur FIFA. Ouais, tu faisais les deux jeux. J'avais un. Même si je le jouais, tu vois, je le mettais en difficulté vraiment. Mais j'avais peut-être un petit. Il me manquait un petit truc, tu vois. Et face à un joueur comme Alex Alguacil, c'est le top du top mondial. Si t'es pas à 100%, tu gagneras pas. Moi, quand je l'ai joué, je gagne que 2-1 et pourtant. Le match il est fou encore. Mais en plus, t'es mené aussi. Tu reviens.
Ah, souvent, c'est comme ça. On a besoin que t'as besoin d'être mené. Quand t'as poussé le caméraman, mais ça, c'était magique, ça. Delayed the pass a fraction of a second. It was offside, and that's enough, Ricky. That is it. 2-1. Look at the emotion. Absolutely delighted. He is heading to the World Finals. Of course, find out where that is next week in Mexico for the American Finals. Wow, wow, wow. Urs Macabayl making it really count in the final stages, and this is how much it means to these guys. What a competitor, and I'd like to get a French strap. Oh, mais tu vois, ça par exemple, c'est pas calculé, tu vois, c'est de l'émotion, c'est de la passion. Ouais, c'est comme tu dis, c'est après, il y a quelque chose derrière, les mecs, ils vont peut-être dire, ouais, ils gagnent un match, ils célèbrent. Non, il y a du travail derrière. Moi, ça fait 3 ans, j'ai eu des histoires avec Konami. Ouais, c'est un ensemble de choses qui fait que la qualif en Coupe du Monde, voilà, c'est pour non, ça. Non, comme tu dis, c'est de l'émotion. Il y en a qui auraient peut-être pleuré. Ou, ouais, non, mais toi, c'est... chacun joue. Chacun moi, ça m'a, moi quand j'ai vu ça, ça m'a mis les poils, je te jure. Mais c'est la passion. C'est bien. Bon, bah merci, bah peut-être à tout à l'heure. Ah, j'espère. Hein. Bah, logiquement aussi. Tiens, ouais. ça y est, j'espère, il est là pour gagner. Il est là pour gagner le toilette. Ah, GG à toi. Ouais, comme vous avez pu le voir les amis, Urs Macabayl il répond à tout, il répond à toutes les questions, il est franc, moi c'est ça que j'aime avec lui, il est franc, voilà, il nous a bien expliqué pourquoi il a fait cette célébration, énormément de travail, aller au championnat du monde, c'était ça le vrai enjeu, c'est vrai qu'il n'a pas célébré pareil quand il a gagné cette finale contre Christopher, mais l'enjeu c'était vraiment d'aller au championnat du monde et il a atteint son objectif. Je compte faire beaucoup plus de vidéos avec les joueurs pros parce que franchement c'est eux les stars de notre jeu, c'est pas les youtubeurs, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas les streamers, c'est les joueurs pros, ils méritent beaucoup plus de reconnaissance et donc je les mettrai en avant, je vais les mettre en avant, donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter, encouragez-les, soutenez-les, on sera derrière eux, du coup le 29 et 30 juin, ils vont aller à l'Emirates Stadium à Londres, le stade d'Arsenal pour jouer ces championnats du monde et bientôt, et bien sûr, pardon, on les soutiendra, nos joueurs français, on est derrière eux. Pour la petite anecdote du coup, il s'est hissé jusqu'à la finale contre Kams, le joueur de la Neo, le poteau de la chaîne également. Kams qui a gagné cette finale, donc Urs Macabayl quand même, encore une fois en finale, incroyable. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao les amis.